Attends. Alors, ça c'est ta vernissage, n'est-ce pas? C'est mon premier vernissage. Grâce à toi aussi, merci de m'avoir sorti de mon closet. À la Galerie Focus, oui, on est ici. Voilà, c'est ce quoi? C'est notre portrait? Ça c'est ça s'appelle Dodo. C'est une toile que j'ai faite dans les bons moments, que j'allais très bien, que j'ai vendue à ma chum ici à Noémie. C'est elle qui l'a achetée, ma copine. Ouais. Tu sais quoi, ce qui est magique aujourd'hui, Brian, c'est que le Focus, la galerie Focus, je me tenais ici quand j'avais 15 ans, puis là j'en ai 39, tu vois. Et ma meilleure amie Doudou, et pas Doudou, mais Doudou qui a fait aussi un vernissage ici. Donc ouais. Je fais ça en son honneur. Ouais. C'est par amour. Et la famille. Ma tante Nicole, on est sur YouTube, ma tante Nicole. Oh, elle n'a pas live. Elle dit allô, c'est beau. Allô, amour. Merci. Oh, tu sens bon. Je suis contente, je suis dans le milieu de petit reportage. Je prenais le temps de rentrer. Okay. Maman, il y a du vin dans le, là-bas. Dominique, on présente Vianney, le copain de Annie. Annie, Dodo est un petit peu excité. Bonjour, je vous fais la bise. Bonjour, c'est Vianney. Vous arrivez de loin? Non. La Chine? Oh, en Chine. Oh, la Chine. Oh, en Chine, j'aurais dit mon Dieu. On sort le Dom Pérignon. On est parti bien romantique. Ah, Dieu. Bienvenue. Puis ça, c'est l'étoile que j'ai faite. C'est assez enfantin, plein d'amour. C'est moi. Merci. On est en train de parler pour chacun des tableaux maintenant. Oh my goodness, attends, le Dodo est ici là. Yo, mais c'est chez Dominique Mosa là. Ça c'est quoi le titre? Ça s'appelle Dodo. C'est vendu, c'est Noémie qui l'a acheté. Ça c'était un épisode très smooth, plein d'amour. C'est sorti d'une dépression mal sale. Ça c'est good vibes. Ouais. Très fort, ouais. Celui-là c'est différent. Ouais, celle-là, c'est la Platorienne. Je l'aime beaucoup, elle me fait penser à moi. Mais c'est tout du self-portrait, à vrai dire, sans être trop narcissique, cucu, là. C'est que de l'émotion, c'est moi. C'est toujours moi dans mes états d'âme. Donc, ça, c'était vraiment la Platorienne. Du bon temps, du bon temps dans le haut, dans le plateau, la montagne, les tam-tams, l'Africain, le monde, quoi. Ouais. Par là-bas, ici, Intouchable, intouchable, ça c'est ma guerrière Shiva, c'est très monde. C'est Ah oui, il y a un jeune qui m'a demandé pour le signe là, dans le fond, là. Sur le fond. Alors c'est un mélange de mes connaissances à moi, donc j'ai mélangé un petit peu de Shiva, de bouddhisme, j'ai pas fait le Om, j'ai pas fait toutes les signes, mais si tu vois, ça représente tout mon côté spirituel, c'est le Shiva, Om Namah, le Bouddha. T'as ici le même tatou que moi qui veut dire se rappeler du passé avec les gris-gris qui est africain, ça c'est pour protéger des fantômes, donc c'est ma guerrière quoi. Ça peut être un guerrier aussi, c'est très androgyne. C'est juste un atome, c'est un âme. Ouais. C'est une guerrière. C'est fort. Pas. Parce que who run the world, girl? Who run the world, girl? Oh. C'est les femmes qui... Qui dirige la culture. Je trouve que les femmes prennent bien leur place dans tous les cas. Là, fait que je représente pas mal toutes mes paintings comme beaucoup de force. Puis, c'est pour ça que ça s'appelle In Your Face. C'est tout dans le visage, dans les traits, c'est dans le... C'est pas égal, c'est pas symétrique. Je suis pas à l'école d'art, c'est vraiment naïf. C'est enfantin, c'est platorien, c'est dodo, c'est comme ça. C'est dans ta gueule. Ça s'appelle You Like It or You Don't, mais c'est avec amour. Puis je suis sortie quand même de. Je viens de faire un zoom sur celui-là. C'est un titre comme quoi? Celui-là, c'est Médusa. Avec. C'est un peu comme les serpents, tu sais, la méduse, si tu veux. Dreadlock serpent, ça s'appelle la méduse. Je l'adore celle-là, d'ailleurs. C'est. Une de mes préférées. Les yeux sont très forts, hein? I love très it. Foncés, ouais. I'm feeling that. I'm kiffing that bitch. I love it. I love that one. Ici, oh my goodness. Ouf!
Ça, c'est une grosse brosse. Piano, piano, en italien qui veut dire doucement, doucement. Ça, c'était assez borderline, assez intense dans les émotions, grosse dépression. Je m'en suis sortie en trois ans, trois tentatives de suicide aidées. J'ai eu beaucoup de instability, emotion. I was very sad and mad, so I started to create. Je me suis lancée dans l'ergothérapie. De là vient mon côté artistique. Je ne suis pas un artiste, mais ça m'a sauvé la vie. Oh, ma dépression. Il y a une au fond là, de la salle. Dominator. Je vais prendre zoom ça. C'est Mimosa time. Un peu de. Ouais, celle-là est magique aussi. Un petit peu à la Avatar. Là, tu sais, genre, I see you, tu sais, je te vois. C'est très très smooth. Ça, c'était. On se lève les manches, on reste debout, tu sais, on continue. Fait que c'était celle-là. On va activer, voilà, parce que moi j'ai soif et il y a le monde qui rentre. Ici, c'est les amoureux. Ibrahim, tu vois bien? Je l'adore bien ici. Les amoureux, je sais pas si tu oui, vois. Oui, j'ai fait zoom sur ça, ouais. Elle est magique, celle-là. Tu vois, il y a un couple qui danse dans le visage, puis la jupe, ça fait les yeux. Oh, ouais. Ça, c'est la dépendance affective, mais c'est. Ah oui, je vois maintenant, oui, j'ai pas vu par avant, ouais. Vous l'avez pas vu, mais c'est ça. Ouais. C'est libérateur, ça c'était tam tam, africain, on danse, on. L'amour fait mal, mais c'est les amoureux. On se bricote sur des mots publics, quoi. Celle-là ici, une qu'on adore toutes, qui pleure du sang, qui est assez intense. BPD pour Borderline Personality Disorder, en français, trouble de personnalité limite. J'ai collé des papiers dans les prescriptions de Prozac, des médicaments pendant les 15 dernières années. Puis elle s'appelle lâcher prise. Fait que rouge, bleu, les gangs de la rue, red, the Plaza Crips, mon lifestyle. Le côté aussi, encore une fois, androgyne, l'homme, la femme. Beaucoup, very strong. C'est là deux jours après, je tombe en psychiatrie. Fait que, intense. That's a buyer. Ici, c'est la petite Verseau, dans l'ère du Verseau. Je suis Verseau, ascendant Verseau, 14 février 73, represent. When the moon is in the sun, and Jupiter. Celle-là, c'est ma petite hippie Verseau. On l'aime bien, une petite gueule d'Africaine très masque, là, tu sais. Elle est floue. Elle est douce. Elle coûte bien. Ouais. On s'en coûte bien, c'est ça. Et ça, c'est une de mes préférées aussi que j'ai faite sur mon balcon chez moi avec quelques bonnes bières boréales rousses. À doudou, la boréale. Elle s'appelle Aime-moi. Pas aime-moi, mais Aime-moi. Puis j'ai faite avec de la gouache, du plâtre et de l'acrylique. J'ai mis des petits bouchons de bière ici pour faire un peu des piercings, tatous. Quelque chose comme ça, là, c'était plus spontané, mais je l'aime beaucoup parce que j'ai une crise de belle journée à boire sur mon balcon, puis j'ai eu bien du fun, de la bonne musique, Johnny Cash, c'était vraiment cool. Et ici, l'avant-dernière et non la moindre, parce qu'on est sur la fenêtre, elle s'appelle Méditer, acrylique. Cela me fait penser vraiment, dans toutes les toiles que j'ai, je vois un mec, puis je vois comme un Indien, un chef, un chief, un sage, un medicine man. Ça, ça a été fait avec beaucoup de classiques, très zen, moi toute seule, une bonne brosse relax. Tu sais quoi, c'est un petit peu redondant de dire, de parler de l'alcool et tout, mais artiste ou pas qu'on se la joue, mais Christ, c'est toxicomane, les alcooliques, ça garoche. Fait que je lève mon verre à ça, puis moi j'ai bien aimé picoler, puis faire mes toiles, quoi, ça m'a vraiment, vraiment aidé. Puis, du bon temps, puis je vais continuer. Inch'Allah. Salut.